Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour nos retrouvailles. Je vous souhaite une magnifique année 2023. Je suis vraiment super heureuse, voire même émue de vous retrouver là aujourd'hui. Sachez que j'ai pas du tout cessé mon activité. J'étais juste... j'ai plus pu faire de tournage ces derniers mois. Et j'en profite donc pour vous dire aussi, pour vous communiquer, pour insister aussi sur le fait que Yoga Lune, c'est bien sûr plus que les vidéos YouTube. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur les différentes plateformes pour aussi soutenir, évidemment, si vous aimez ce que je fais ici. Je vais remettre tous les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo. On va ouvrir ce nouveau chapitre des séances Yoga Lune sur YouTube. On va ouvrir un nouvel espace en soi. Et on va ouvrir donc ce nouveau chapitre 2023 ensemble. Merci d'être là. Alors, je vais vous inviter à venir vous installer bien confortablement. À tout moment, n'hésitez pas à prendre coussin, couverture, bloc, tout ce que vous désirez pour votre confort. C'est votre pratique, c'est votre séance. Déposez le bassin, les jambes, les pieds confortablement. Le poids des mains, vous pouvez avoir les mains vers le sol tranquillement. Relâchez bien vos épaules. Et simplement, laissez la colonne s'allonger naturellement sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Et on arrive là. Peut-être en début de journée ou en tout cas en début d'année. Ressentez cette énergie de nouveauté. Et sachez qu'on n'est pas du tout en retard parce que les énergies ont mis du temps à démarrer en 2023, là, c'est ce mois de janvier. Donc là, on arrive vraiment à ce moment de renouveau, là où les choses vont reprendre concrètement avec plus d'énergie, plus d'intention. Donc laissez-vous recevoir cet instant, ce nouveau chapitre, ces nouvelles opportunités et possibilités. Laissez votre cœur s'ouvrir à ce champ des possibles en relâchant toute vision limitée, tout jugement. Et dès qu'on relâche ces visions limitées, on ouvre notre être, notre cœur à ce qui est le plus aligné pour soi. Prenez une très longue inspire par le nez. Et laissez-vous expirer par la bouche. Encore inspirez profondément. Et on se laisse expirer par la bouche en relâchant tout ce dont on n'a plus besoin là maintenant. Encore inspirer. Et expirer. Reprenez doucement le souffle par le nez. Et si à ce moment-ci, il n'y a pas encore beaucoup de clarté à l'intérieur, laissez-vous apprécier cela aussi, le fait de connecter avec cette page blanche, à nouveau cette opportunité de réécrire absolument tout ce qu'on désire. Savourez le fait que dans le manque de clarté, il y a aussi ce cadeau d'ouverture, de se réouvrir totalement. Mais s'il y a quelque chose qui doit être relâché là maintenant, peut-être un attachement au passé, utilisez le souffle pour relâcher cela et commencer à embrasser cette ouverture-là, ce renouveau, ce changement. Prenez une longue inspiration
et venez amener la tête vers le côté droit. Relâchez bien les épaules profondément vers la terre. Inspire. Tout simplement, on va amener la tête vers l'avant et on va continuer le cercle en prenant tout son temps sans se presser. Continuez. Respirez. Une dernière fois. Ramenez au centre, inspire, on se grandit, on relâche les épaules. On incline la tête vers la gauche. Relâchez les omoplates, les épaules, le visage, inspire. Amenez la tête à l'avant et continuez à votre rythme. Respirez bien. Et on ramène doucement la tête au centre. Et on vient doucement ouvrir les yeux. On va ramener les jambes, activer le nombril et venir soulever les bas des jambes devant soi, dans la posture du bateau. Ici, on garde vraiment le centre engagé et on garde le cœur ouvert, les épaules détendues et ouvertes. Mains en dessous des genoux ou bien on allonge les bras et on respire. Peut-être ouvrez les paumes vers le ciel pour vraiment accueillir cette énergie. Regardez un petit peu plus haut pour vraiment garder cette poitrine ouverte. Encore une longue inspire, accueillez votre énergie, votre feu. Et venez reposer doucement. Posez les mains ici à l'arrière, étalez bien vos doigts, pressez les pieds dans la terre. On vient pousser, inspire, montez le bassin et expire, repose. Tout simplement, on vient chercher les fondations, inspire, poussez tout dans le sol, expire, on pose. Encore inspirez et on expire. Et encore. Et on expire. Inspire, monte, on va rester un petit peu, active le nombril, l'arrière des jambes, l'intérieur des cuisses, presse, sans les bras qui viennent chauffer. Encore une longue inspire et on dépose. On vient croiser les jambes, passer au travers, pose les mains, pose les genoux, relâche à gauche et à droite tranquillement. Et on laisse la colonne suivre, la tête également. Respirez. Ah, votre rythme, ramenez au centre, pressez dans la terre. Inspire, on vient creuser le dos, monter coccyx et le sommet de la tête. Et on vient arrondir en rentrant le nombril, on presse les mains dans la terre. Inspire, ouvre tout l'avant du corps. Sans relâcher le ventre ici, on garde actif le nombril et on pousse dans la terre. On rentre la tête, encore inspirez. Prenez tout votre temps, expirez. Et encore, ressentez tout l'avant du corps qui s'ouvre. Expirez, ressentez tout l'arrière qui s'étire. Et encore, inspire. Et longue, expire. On vient reconnecter avec les bases, les fondations. Ramenez le dos neutre, sans relâcher donc le ventre. Retournez les orteils. Expirez, petit chien tête en bas. Les talons vers le sol et on garde les genoux fléchis. On vient allonger la colonne, relâcher les épaules loin des oreilles. Respirez dans l'arrière des jambes. Longue inspire. Expire, regardez vers l'avant. Ramenez les pieds ouverts de la largeur du bassin. Inspire, on vient allonger le buste. Main ici à l'arrière ou bien sur les jambes. Gardez le nombril actif et relâchez à l'expire. Pliez les genoux. Relâchez la tête vers le sol. Inspire, allonge. Sens vraiment ici le coccyx qui s'étire et le sommet du crâne de l'autre côté. Et on relâche, on plie les genoux, on relâche bien les épaules. Inspire encore. Expire. Pliez les genoux. Cette fois, dos rond, on ramène vertèbre après vertèbre. La tête en tout dernier. On vient aligner vertèbre après vertèbre pour arriver debout. On se grandit. On détend bien nos épaules et on vient ouvrir les paumes vers l'avant, Tadasana. On respire là, on active le nombril, on se grandit en pressant dans la terre. Inspire, on monte les bras actifs, on monte le regard, on aspire le nombril, les jambes actives, main vers le cœur, expire. On continue de se grandir, encore, inspire, monte. Expire, ramène et regarde loin devant. Inspire, ouvre et monte.
Expire. Dernière fois, continue de te grandir. Inspire. À partir des hanches, expire. On vient plonger vers le sol. On plie les genoux. Inspire. On allonge le buste. Main sur le sol ou sur les jambes. On vient prendre une planche. Et en gardant les coudes collés au buste, on vient sur le ventre. On n'hésite pas à poser les genoux. On relâche le front. On presse le bassin. Petit cobra. On n'utilise que le dos ici. On ouvre le cœur à l'avant. Et on relâche. On retourne nos orteils, on se repousse et on vient prendre un petit chien tête en bas en gardant les genoux fléchis pour quelques respirations. Respirez bien, les fessiers vers le ciel. Encore une longue inspire. Et on vient déposer doucement nos genoux sur le tapis. Super. En pressant dans la terre, on garde bien le centre engagé. Et on vient allonger le bras droit ici vers l'avant jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Sentez le dos qui travaille et poussez cette main gauche dans la terre. On ouvre vers le ciel. Expire. Encore. Gardez le centre actif. Inspire. Allongez le bout des doigts vers l'avant. Et on ouvre. Expire. Ça peut être tout petit. Inspire. Allonge. Sens le dos qui pousse vers le ciel, expire, ouvre. Dernière, inspire. Expire, ouvre. Super, on vient reposer la main. Et on allonge la jambe opposée. Donc la jambe gauche, posez les orteils. Prenez un petit moment ici pour étirer cette jambe vers l'avant, vers l'arrière. Sans relâcher le ventre et on continue de presser dans la terre. Ok, on ramène au centre, on pousse, on active le nombril. Les bras actifs, on va soulever cette jambe. Sans trop monter, donc sans creuser le dos, vraiment on reste ici et on pousse le dos vers le ciel. Inspire, allonge tout le corps. Expire, collecte tout vers le centre. On ramène le genou, la tête vers le centre. Inspire, allonge. Continue de pousser le bas du dos vers le ciel. On rentre le nombril. Expire. Inspire, allonge. Encore, expire, centre. Inspire pour allonger. Pousse dans la terre, expire, centre. Inspire, allonge, on reste. On respire bien. Et on essaie d'allonger le bras opposé. Cherchez l'équilibre. Continue de presser dans la terre. Retrouve ici les fondations bien solides. Inspire. Et doucement, repose la main, repose le genou. On a relâché à gauche et à droite quelques fois. On respire bien. On peut relâcher le ventre ici. Super, on ramène au centre, on va retourner les orteils, chien tête en bas, expire. Respirez à votre rythme. Dernière longue inspire. Et longue expire. On va envoyer le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou gauche. Inspire, monte les bras ici, monte le buste. Et ouvre, expire. Encore, inspire, simplement monte. Active tout le corps, grandis-toi. Relâche les épaules et on expire pour ouvrir. Et encore, inspire, ressentez l'intérieur des jambes qui s'activent. On presse dans le sol et on expire pour ouvrir, tout simple. On remonte ici. On vient entrelacer les doigts à l'arrière de la tête et on vient simplement, en poussant dans la terre, ouvrir le regard vers le ciel. On relâche bien nos épaules, on ouvre les coudes, tout petit, sans forcer quoi que ce soit. On est vraiment dans la simplicité, dans les bases solides. Inspire. Et on ramène doucement. On va relâcher, poser le bout des doigts, prendre le petit élan pour ramener le pied à l'avant. Relâcher ici à gauche et à droite le buste. Et on relâche tranquillement. Poser le bout des doigts de la main gauche devant, plier bien le genou gauche. On vient monter le bras droit et le regard dans un twist. Respirez dans l'ouverture du cœur. Allongez jusqu'au bout des doigts. Et on vient plier les deux genoux. Et on va remonter le buste en restant dans le twist. Donc on vient allonger ici,
Gardez conscience du buste qui s'allonge. On reste dans le twist, on ouvre le regard et le cœur vers le côté. Et on garde les jambes, les genoux, les hanches vers l'avant du tapis. On respire bien, centre engagé. Dernier inspire. Et on ramène le buste, les bras vers le sol, on ouvre les paumes, Tadasana, on se grandit. Inspire, monte les bras, le regard. Main vers le cœur, encore avec intention. Inspire, prends tout ton espace. Et expire, ressentez le dos qui s'allonge, qui s'étire. Encore, inspirez. Nombril actif, expire. Dernière fois, on va plonger, inspire. Les pieds bien ancrés dans la terre. À partir des hanches, on vient plonger. Inspire, allongez le buste. Expire, planche. Et on va descendre sur le ventre en douceur. En utilisant le dos uniquement, pousse le bassin. Inspire, petit cobra. On relâche bien nos épaules, coude collé au buste et on relâche. Retourne les orteils, repousse, chien tête en bas. Et on respire bien. On accueille les sensations. On accueille l'énergie dans le corps tout entier. Encore une profonde inspire ici. Et on vient doucement déposer les genoux. Super, on presse dans la terre. Et on va allonger le bras gauche en poussant et en activant le bras droit. Inspire, expire, ouvre vers le ciel et vers l'arrière. Encore, inspire, allonge. Et on ouvre, expire. Inspire pour allonger. Sentez tout le dos qui chauffe. Expire. Encore, inspire. Super, expire, ouvre. Et on réallonge le bras, on va rester là. Respirez bien. Et on repose. Allongez la jambe opposée, la jambe droite. Posez les orteils, on prend un petit moment ici. De l'avant vers l'arrière, quelques fois. Et on ramène vers l'avant. Aspire le nombril, les bras actifs. Montez la jambe, tout doucement. En continuant de presser tout dans la terre. Inspire. Expire, on collecte tout vers le centre. Inspire pour allonger. On pousse le bas du dos vers le ciel. Expire. Encore, inspire. Et on expire. Et encore, inspirez. Expire. Super, on vient réallonger, on va rester. On respire bien profondément. Et peut-être, on allonge le bras opposé. Cherchez l'équilibre. Dernier inspire, on vient doucement poser la main, poser le genou, relâcher un petit peu. N'hésitez pas à relâcher dans les épaules, relâcher le ventre. On expire par la bouche si besoin. Ressentez l'énergie qui vient aussi nettoyer ce qui doit l'être. Retournez les orteils, chien tête en bas. Respirez là. Les pieds, largeur du bassin. Les genoux fléchis ou bien on commence tout doucement peut-être à allonger les jambes si le corps est prêt, sans forcer quoi que ce soit et en gardant bien la colonne allongée. On continue de presser les paumes dans la terre. Les bras sont actifs. Et en même temps, on relâche les tensions dans les épaules. Et on vient poser le pied gauche entre les deux mains, déposer le genou et on remonte en douceur le buste. On active le nombril, on se grandit. On vient monter les bras. Inspire, on se grandit jusqu'au bout des doigts et on vient ouvrir. Inspire, monte et on ouvre. Encore, inspire. Inspire, monte. Et expire, ouvre. Encore, il se passe beaucoup de choses ici. Ça paraît tout simple, mais tout le corps est bien engagé. Les hanches vers l'avant du tapis. Expire. Dernière fois, inspire. Relâche bien les épaules et ouvre loin derrière.
On va remonter, entrelacer les doigts, placer les mains à l'arrière de la tête et on aspire le nombril au maximum, on pousse dans la terre, on active l'intérieur des jambes et de là on vient ouvrir, déployer le haut du corps. Donc ça peut vraiment être tout subtil, tout petit. Sentez vraiment les fondations, le bas du corps qui est bien ancré et le haut du corps qui commence à trouver cette ouverture. Relâchez les épaules, le visage, les coudes s'ouvrent. Super, on ramène, inspire. On va relâcher, poser le bout des doigts vers l'avant, prendre le petit élan et ramener le pied. Prenez un instant pour relâcher à gauche et à droite le buste. N'hésitez pas à agripper les deux coudes avec les mains opposées. Super, on ramène au centre, on vient poser le bout des doigts de la main droite, fléchir le genou droit et on vient ouvrir le cœur vers le ciel, monter le bras gauche, le regard, on respire dans le twist. Ressentez le cœur qui s'ouvre. Dernière longue inspire. Et profonde expire. Restez dans le twist. Venez plier les deux genoux. Et on va remonter en douceur le buste. Restez dans le twist. Allongez les deux bras ici, parallèles au sol. Et on tend les jambes. Et on reste ici. Le cœur qui s'ouvre vers le côté. Et les hanches. Les genoux qui restent vers l'avant du tapis. Encore une longue inspire. On se grandit au maximum. On ressent l'ouverture encore un peu plus dans le cœur. Et inspire dernière. Et on ramène le buste à l'avant. On ouvre les paumes vers l'avant. Tadasana. On se grandit ici. Prenez un petit instant pour vraiment accueillir l'énergie. Ressentir la présence du corps. Et laissez le corps s'ouvrir, se rendre disponible à la nouveauté. Au début, peut-être une toute petite nouvelle énergie, un nouvel élan, un nouveau désir, un nouveau rêve. Et remercier. Les renouveaux, remercier le changement qui s'opère, auquel on résiste parfois, mais on se rappelle que dans le fond, c'est tout ce qu'on désire, c'est accueillir ce renouveau, accueillir le changement, accueillir chaque nouveau chapitre avec le cœur ouvert, avec la confiance nécessaire. Et en relâchant toutes les peurs et les jugements. On vient amener les mains sur notre cœur. On prend un instant pour se remercier d'être là, de s'accompagner, ressentir à quel point on est là pour soi, on est en train de se tenir par la main et peut-être déposer cette intention parce que c'est la plus importante. C'est vraiment celle qui compte le plus, c'est d'être là pour soi et de continuer à s'aimer, à se soutenir, à se tenir par la main, dans les hauts, dans les bas, dans les débuts, dans les déroulés, dans les fins. Être là, inconditionnellement, reconnaître sa valeur, sa beauté et se donner l'amour qu'on mérite. Prenez encore une longue inspire, une profonde expire. Main en prière devant l'espace du cœur, on va ouvrir les yeux. Namasté.